Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. J'espère que cette nouvelle année vous permettra de réaliser tous vos projets. En ce début d'année, je vous propose de crocheter cette merveilleuse petite licorne. Elle m'a été inspirée par deux livres crochets que j'ai chez moi. Donc, Adorables animaux des éditions Mango. Vous voyez sur la gauche une petite licorne, doudou licorne en blanc. Et la revue Fais main crochet qui présente la réalisation de petits rhinocéros. J'ai pris le corps de la revue Fais main crochet. Je l'ai marié avec la tête de la licorne du livre Adorables animaux. Et voilà, je vous présente un doudou totalement personnalisé mais inspiré de l'existant. Cette petite licorne mesure 21 cm de haut, 17 cm de large et pèse 45 grammes. Dans cette première vidéo, nous allons réaliser le corps et les quatre petits sabots, et dans une seconde vidéo, nous réaliserons la tête. Pour crocheter cette superbe petite licorne, donc vous aurez besoin de fils relativement fins. Donc c'est des deux fils de 100 grammes 400 mètres du fingering en différentes couleurs. Donc la licorne qui est présentée ici, elle est crochetée avec les fils laine paysanne, la couleur gris nuage pour la tête et pour le corps. Pour la démonstration que je vais vous faire, je vais la faire toujours avec les fils laine paysanne, mais en couleur écrue. Ensuite, les yeux ici, les petits cils sont brodés avec la couleur noire. Donc vous pouvez la trouver chez Boucle Laine. Ensuite, la licorne, c'est également des fils laine paysanne. La couleur de base est écrue, mais ça a été teinté naturellement par Orwell Concept. Donc ça, c'est pour la corne. Ensuite, pour la crinière et la petite écharpe, c'est des fils boucle laine, cristal magique. Et enfin, pour les sabots et le museau, j'utilise cette petite pelote, donc c'est zéphyr. Vous montrer Zéphyr de Fonti et je les crochette en double parce que c'est vraiment des fils très très fins. En termes de matériel, vous aurez également besoin d'un marqueur, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux. Je crochette ce petit doudou avec un crochet numéro 3. Donc moi je crochette assez serré, donc j'ai pris cette taille là. Si vous avez plutôt tendance à crocheter lâche, prenez une demi-taille en dessous, donc prenez du 2,5. Je vais mettre dans la tête du petit doudou ce grelot. Donc je vous mettrai en barre de description où est-ce que j'ai trouvé toutes ces fournitures, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc vous voyez, dans la tête de la licorne, le son est vraiment tout doux, c'est très sympa. Donc ils sont vraiment très très bien ces petits grelots. Les yeux, ce sont des yeux sécurité. Donc le petit bébé ou le petit enfant qui jouera avec ce doudou, il n'y aura pas de risque pour qu'il l'arrache. Donc je vous montre à quoi ça correspond. Donc c'est une petite vis en plastique, voilà, qui vient se mettre dans la tête là qu'on vient de crocheter, qu'on va crocheter. Et on dit sécurité parce qu'on a cette petite rondelle qui vient se mettre derrière comme ça. On enfonce, donc là je ne vais pas le faire parce que j'arriverai plus à l'enlever. On enfonce et c'est ce qui fait qu'après, voilà, on pourra tirer dessus. C'est vraiment sécuritaire, ça ne s'enlèvera pas, il n'y aura pas de risque que le petit l'avale. Et donc cette boîte, dans cette boîte, il y a 2, 3, il y a 5 tailles de yeux. Et moi, j'utiliserai la taille numéro 2, celle-ci. Pas la trop petite, celle juste après. On aura également besoin, mais ça c'est optionnel, c'est une petite boîte d'épingles. C'est surtout pour positionner la crinière, voilà, pour qu'elle soit bien centrée sur la tête. On peut faire ça avec des épingles, mais c'est pas obligé. Si vous êtes doué, on pourra le faire comme ça. Et enfin, pour rembourrer la tête et les sabots de la licorne, on aura besoin de ça. Donc c'est de la laine en flocons. J'ai trouvé ça sur le site Laine Paysanne. Donc c'est vraiment 100% naturel, c'est de la laine de mouton pas traitée, pas teintée.
C'est lavé, bien sûr, hein, c'est tout tout doux. Donc ce doudou, il sera vraiment 100% naturel, à part les yeux, bien sûr, je vous l'avoue, ça c'est du PVC. Hein. Et puis le grelot aussi, mais sinon tout le reste, c'est que du naturel, 100% français. Donc ça, je vous ai dit, oui, vous pouvez trouver ça sur Laine Paysanne. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre du rembourrage synthétique qu'on peut trouver facilement dans le commerce. C'est vous qui choisissez. Nous allons commencer par crocheter les sabots. Donc ça, c'est un petit sabot du pied. Vous verrez, les sabots pour les mains, c'est exactement la même chose. Il sera juste un petit peu moins haut ici. Il y aura un rang de moins. Donc c'est uniquement des mailles serrées. On commence par une base avec un cercle magique et on monte en spirale le petit sabot. Donc je prends mes deux fils. Donc c'est mes fils Zéphyr crochetés en double. Donc on va commencer par un cercle magique. Donc vous posez votre fil sur votre index et votre majeur, vous contournez et vous croisez vos fils comme ça sur vos doigts. Vous passez le crochet dessous, vous allez entre les deux et vous attrapez le fil du dessus. Comme ça, vous repassez le crochet dessus et ensuite vous faites une maille en reprenant le fil du dessus. Et vous voyez, votre cercle magique, vous pouvez tirer sur votre fil, ça l'agrandit ici. Si vous tirez là, ça le raccourcit. Dans ce cercle, nous allons crocheter 7 mailles serrées. Une, quatre, cinq, six et sept. Vous pouvez tirer sur votre boucle et on va venir serrer. Vous prenez ce fil, pardon, et on va venir serrer notre cercle magique. Délicatement. Je suis désolée, c'est assez fin, donc comme j'ai mes doigts devant, j'espère que vous arrivez bien à suivre. On reprend notre maille. Donc on a nos 7 mailles serrées. On va venir maintenant faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc ma première maille est ici. Je pique mon crochet sous les deux brins et je crochète 2 mailles serrées dans cette première maille. Et on marque toujours notre première maille. Comme on va crocheter en spirale, il faut qu'on repère bien notre toute première maille. Et tout autour du cercle, on va crocheter 2 mailles serrées dans chacune des mailles. Au total, on aura 14 mailles. Une, deux. Vous voyez, à chaque fois, dans chacune des mailles, je crochète 2 mailles serrées. On vérifie qu'on est bien 14 mailles. Donc la première qui est marquée par le marqueur, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, vous voyez, le cercle s'est un peu détendu, donc c'est normal. On crochète, on manipule, le cercle magique se détend, mais pas de souci, on a juste à retirer sur le fil et le cercle se resserre. Donc je peux enlever mon marqueur.
On va continuer maintenant avec un rang de demi-brides. Demi-brides, on fait un jeté sur le crochet. On va dans la première maille. On refait un jeté. Et on passe au travers des trois boucles. Donc là, c'est notre première maille. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Toujours des demi-brides. Tout le rang sera en demi-bride. Une et deux. La maille suivante, une demi-bride. Et celle qui suit, une augmentation. Et on alterne ça tout autour du rang. Une demi-bride, une augmentation. Une demi-bride. Deux demi-brides dans la maille suivante. Une demi-bride. Deux demi-brides dans la maille suivante. Deux demi-brides. Une demi-bride, pardon. Deux demi-brides dans la maille suivante. Une demi-bride. Une augmentation. Une demi-bride. Et on termine le rang par une augmentation. Vous pouvez à nouveau resserrer le centre. On étire notre maille et avant de passer à la suite, pour éviter que ce petit fil nous gêne ou que le centre ne se desserre, on va venir rentrer notre fil. Donc prenez une aiguille à laine, on monte le fil sur notre aiguille et on va venir passer notre fil sur le premier rang. Donc là on est à l'arrière du travail. N'oubliez pas d'ajuster pour bien resserrer le centre. Et ensuite, coupez à ras. On va maintenant passer au rang suivant. Donc le rang suivant, il nous permet ensuite de monter. Excusez-moi, j'étais hors champ. Le rang suivant nous permet ensuite de monter à la verticale. Donc on va venir faire un rang de mailles serrées en crochetant uniquement les brins arrière des mailles. Et vous voyez, ça fera ce petit trait là qui représente les brins avant des mailles. Donc on peut retirer le marqueur. Et dans la première maille, on ne prend que le brin arrière. Brin avant ici, brin arrière. Et on crochette une maille serrée. Je marque toujours ma première maille. Ici, dans la maille suivante également. Donc, tout le rang et crocheter de cette manière. Vous faites une maille serrée dans chacune des mailles en prenant surtout le brin arrière. Vous voyez, on voit déjà l'effet souhaité. Donc là, il y a le creux. Je ne sais pas si on voit bien la vidéo. Et là, le fait d'avoir crocheté que les brins arrière, ben ça se... On voit déjà qu'on part à la verticale par rapport à la base du sabot. Donc là, c'est l'envers du travail. Si je veux voir mon endroit, je tourne juste de l'autre côté.
Et là, on est à l'endroit du travail. On peut retirer le marqueur. Et maintenant, tout simplement, on va venir faire 3 rangs de mailles serrées en crochetant sous les deux brins. On crochète normalement. On marque toujours la première maille. Et là, tout simplement, tout autour, on va venir faire un rang de mailles serrées. Et voilà, je le remets à l'endroit. Donc je vais vous laisser poursuivre. Faites encore 2 rangs comme celui-ci, 2 rangs de mailles serrées, en piquant bien le crochet sous les deux brins. Et on se retrouve pour les 2 derniers rangs. N'oubliez pas surtout de marquer toujours votre première maille. Une fois vos 2 rangs terminés, on va passer aux diminutions. Donc j'ai retiré le marqueur. Et je crochète tout d'abord une maille serrée, je marque ma première maille et 2 autres mailles serrées. Et après, je fais une diminution. Donc une diminution, on pique le crochet dans la maille, on fait un jeté, on tire. On ne termine pas la maille serrée, on va dans la deuxième maille. On fait un jeté, on tire. Et là, on coule au travers des 3 boucles sur le crochet. Donc là, on vient de réaliser une diminution. Et on reprend. On fait 3 mailles serrées. J'ai perdu ma maille. Voilà, 3 mailles serrées. Et de nouveau, une diminution. 3 mailles serrées une diminution 3 mailles serrées 1, 2, 3 une diminution et on termine le rang par une maille serrée. On reprend la même chose. Donc je fais ma première maille serrée, je la marque, je crochète 2 autres mailles serrées et je fais une diminution. 3 mailles serrées, 2, 3. Une diminution. 3 mailles serrées. 2, 3. Une diminution. Et on termine le rang par 2 mailles serrées. Vous pouvez tirer votre maille. Vous pouvez enlever votre marqueur. Vous coupez une bonne longueur de fil, donc à peu près 20 cm, 15-20 cm. Et là, vous tirez tout simplement sur votre maille. Donc voilà. Donc il faut faire un deuxième sabot comme ça, exactement la même chose. On va maintenant passer au rembourrage. Donc vous prenez un peu de laine en flocon et on va venir remplir notre sabot.
Donc au niveau de la consistance, donc vous voyez ensuite, on va venir coudre comme ça. Donc il faut que ce soit quand même, pour qu'il ait une belle forme, il faut que ce soit bombé, mais pas trop non plus pour que ça fasse des boursouflures. Donc c'est vraiment au jaugé, c'est vous qui voyez ce qui rend le plus bel effet. Si je vous montre avec la petite icône à côté, vous voyez comment il s'est rempli. Donc j'ai pas trop rempli parce que comme on va serrer ici, on va faire une couture et ensuite le joindre au corps. Il faut pas que ce soit trop rempli. C'est très subjectif. Hein. Je suis désolée, je peux pas vous peser la quantité de bourre que je mets à l'intérieur. C'est vraiment, ça se fait à l'œil en fait. Hein. Ensuite, vous prenez, donc ça je le pousse, vous reprenez votre aiguille à laine. Et on va venir fermer le pied de cette manière. Donc on va venir faire une couture tout du long. Donc vous voyez là, on a notre maille arrêtée. Je passe comme ça et je vais commencer à coudre. Donc voilà, il n'y a pas d'explication particulière, hein, c'est juste, faut faire la jointure, faut faire une couture tout autour. Je repasse ensuite ici, je revais au niveau de cette maille. Voilà, et je prends une maille de l'autre côté, une maille du devant et je ferme. Faut pas non plus trop serrer. Maintenant, ne vous inquiétez pas, ça ne pourra pas se découdre parce qu'ensuite on va venir coudre ce pied avec le corps. Donc tout sera bien sécurisé. Voilà, et puis là ça fait ça remonte comme ça. J'aime pas trop. Donc je repasse mon fil comme ça à l'intérieur. Et je tire un petit peu. Et voilà, j'ai plus de pique. Un petit peu ici, mais c'est pas bien gênant. Donc pour arrêter votre fil, vous le passez dans la couture comme ça. Je fais un aller et je vais refaire un retour. Et voilà, notre premier sabot est terminé. Je vous invite à faire le deuxième. Ah, excusez-moi, bien sûr, on coupe le fil. Pour ce qui est des sabots au niveau des mains, donc celui-ci, c'est exactement la même chose. Donc vous reproduisez exactement pareil, donc le début, le cercle magique, les différents rangs avec les augmentations. Ensuite, on avait une phase où on avait fait 3 rangs de mailles serrées. Pour le sabot des mains, au lieu de faire 3 rangs de mailles serrées, vous n'en ferez que 2. Ensuite, c'est la même chose. Vous rembourrez un petit peu ce sabot, donc avec de la laine en flocon. Voilà, vous le rembourrez, vous faites la couture et un deuxième sabot. Donc au total, on a 4 petits sabots. Avec mon fil écru, je commence par un cercle magique. Donc je vous remontre comment on fait. Donc vous mettez le fil sur vos deux doigts. Vous contournez, vous croisez sur le dessus. Vous insérez votre crochet dessous et vous attrapez le fil du dessus. Et ensuite, toujours avec le fil du dessus, vous venez faire un jeté et vous passez au travers de la boucle. Et voilà, notre cercle magique. Dans ce cercle magique, on va venir faire des groupes, 6 groupes de 3 brides. Donc on commence par 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Donc ces 5 mailles en l'air correspondent à une bride et 2 mailles en l'air de séparation. Juste à côté, on crochette 3 brides.
Deux mailles en l'air. Juste à côté, on crochette trois brides. Deux mailles en l'air. Un jeté. Et à côté, on crochette trois brides. Donc là, on peut progressivement resserrer notre anneau. Voilà, en tirant sur le fil. Deux mailles en l'air et on poursuit un groupe de trois brides. Deux, trois, deux mailles en l'air, de nouveau un groupe de trois brides. Donc là, nous en sommes à 1, 2, 3, 4, 5. Un dernier, deux mailles en l'air. On crochette deux brides. Et on vient faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du tout début du tour. 1, 2, 3. Et il nous reste nos deux mailles en l'air de séparation. On tire notre boucle et on vient délicatement tirer sur notre fil de l'anneau magique pour resserrer ce cercle. Donc si vous travaillez comme moi avec des laines naturelles, faites attention, elles se cassent assez facilement. Donc il faut tirer tout doucement, il faut y aller progressivement en fait. Et voilà. On peut retourner notre travail, prendre l'aiguille à laine et rentrer notre fil. Donc je le fais passer au pied des brides. Et ensuite, je viens couper mon fil à ras. Une maille coulée dans l'espace formé par les deux mailles en l'air du tour précédent. Et dans cet espace, on crochette 6 mailles en l'air. Et 3 brides, toujours en piquant dans le même espace. Ensuite, on va directement dans l'espace suivant. Et dans cet espace, on crochette 3 brides. Trois mailles en l'air. Et toujours dans le même espace, 3 brides. 1, 2, 3. On va dans l'espace suivant. Et on refait la même chose. On crochette 3 brides. 3 mailles en l'air. Et de nouveau, 3 brides dans le même espace. Il vous reste 1, 2, 3.
trois espaces, vous reproduisez la même chose, trois brides, trois mailles en l'air, trois brides, et on se retrouve ici. On retourne ensuite dans notre premier espace. Juste ici, au niveau de la maille coulée, on crochète deux brides. Et on vient faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Une, deux, trois. On fait une maille coulée dans l'espace suivant. Et on crochète 6 mailles en l'air. 3, 4, 5 et 6. Toujours dans le même espace, on crochète 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, entre les deux groupes de 3 brides, on crochète 3 brides. On va dans l'espace suivant. Donc ça, c'est un espace entre deux groupes. Donc ça, c'est le coin. Dans celui-ci, on crochète 3 brides. Mailles en l'air et toujours dans le même espace, 3 brides. Ensuite, on va dans l'espace ici, le suivant, on crochète 3 brides. Je vais vous laisser poursuivre tout autour de l'hexagonale. On va se retrouver ici, donc sur un coin, donc une pointe ici. On crochète 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et ici, donc sur un côté, il y a un espace. Vous allez crocheter 3 brides. Vous faites ça tout autour. Quand on a fait le tour, on retourne dans notre premier espace, on crochète 2 brides et on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Une maille coulée dans l'espace et au même endroit, 6 mailles en l'air. Toujours dans le même espace, on crochète 3 brides. Et ce tour-là est exactement la même que le précédent, hormis qu'ici, nous aurons deux groupes de 3 brides. Et après, dans chacun des coins de l'hexagonale, sur les espaces des pointes, on crochète 3 brides. 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc le premier espace ici, c'est 3 brides. Le suivant également. Et dans le coin ici, on crochète 3 brides. Mailles en l'air et dans le même espace de nouveau 3 brides, 2, 3. Je vous laisse poursuivre tout autour, donc 3 brides ici, 3 brides ici et dans un angle 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. On se retrouve pour terminer le rang. Comme pour les précédents rangs, pour terminer, on retourne
dans notre tout premier espace, on crochète deux brides. Et on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Nous allons maintenant crocheter la jambe. Donc je vous explique un peu le principe de ce corps. Donc là vous voyez, on a un bel hexagonal. On le plie en deux sur lui-même. Et là, nous avons un demi-corps. Donc ici, alors ça va être dans l'autre sens. Donc ici, on va avoir le bras de la licorne et ici sa jambe. Et on aura la deuxième partie en symétrique sur la gauche. Je vous montre avec le demi-corps, le premier demi-corps que j'ai déjà crocheté. Vous voyez sur la pièce de gauche un demi-corps. Donc on va venir nous crocheter les jambes, on va se mettre au même niveau qu'ici. Donc il faudra réaliser 1, 2, 3, 4, 5 rangs supplémentaires. Et ici vous avez les bras de la licorne. Une maille coulée dans l'espace. Je plie de cette manière l'hexagonale. Et je viens faire une maille coulée en traversant cet espace qu'on a devant nous et en allant dans l'espace de derrière. Je ramène mon fil et je fais ma maille coulée. Donc nous allons monter la jambe de ce côté. Donc là, je crochète 3 mailles en l'air. Et je vais directement dans l'espace entre les 3 paquets de brides suivants. Et dans cet espace, je crochète 3 brides. 1, 2, 3. Je tourne légèrement, donc c'est pas évident, c'est assez fin. Je vais dans l'espace suivant et je crochète 3 brides. Une, deux et trois. Je fais la même chose dans l'espace suivant. Je crochète 3 brides. Je tourne encore légèrement. Donc là, on en est à 1, 2, 3. Je vais dans cet espace. Je crochète 3 brides. 1, 2, 3. Et enfin, entre les deux, donc là, c'était notre maille coulée. Donc dans cet espace ici, je crochète 2 brides. Et je fais une maille coulée au sommet des 3 mailles en l'air. Donc ici on a notre paquet de 3 brides, la troisième maille en l'air du tout début du tour. Donc voici le tout début de la jambe de notre petit corps. Donc on a, vous voyez, on va monter comme ça. On a 1, 2, 3, 4 et 5 paquets de 3 brides. Et on reprend la même chose. On vient faire une maille coulée dans l'espace. On crochète 3 mailles en l'air.
on va directement dans l'espace suivant et ici on crochète un groupe de 3 brides. On va dans l'espace qui suit, on crochète 3 brides. On va dans l'espace suivant et de nouveau 3 brides. On tourne, on va dans l'espace suivant entre les paquets de 3 brides et ici on crochète 3 brides. 1, 2 et 3. On revient au tout début, on avait nos 3 mailles en l'air. Donc dans le même espace, on crochète 2 brides et au sommet, sur la troisième maille en l'air, on vient faire une maille coulée. Pour finir cette jambe, vous allez reproduire ce rang encore 3 fois. Donc on n'oublie pas de commencer par une maille coulée. Dans l'espace, on crochète 3 mailles en l'air et directement, on va dans l'espace suivant. Ici, on y fait 3 brides. Voilà, on refait des groupes de 3 brides dans chacun des espaces. Sur le dernier espace où on a fait les 3 mailles en l'air, on crochète 2 brides et on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Donc vous finissez ce rang et vous en faites encore 2. Une fois que vous avez terminé vos 3 rangs, vous faites une maille coulée dans l'espace. Vous tirez votre maille et là vous allez couper une longueur de fil d'à peu près 15-20 cm. Nous en servirons pour crocheter, enfin pour coudre les petits sabots au bout. Donc voilà. Et ensuite vous tirez votre boucle. Donc voici le demi-corps que nous avons fait ensemble. Vous allez crocheter un deuxième demi-corps exactement de la même manière de ce que l'on vient de faire ensemble et on se rejoint pour faire la couture entre les deux. Pour assembler les deux parties et former le corps, on va venir faire sur l'envers des mailles coulées tout au long ici. Je retourne et ici. Donc tout d'abord, vous prenez votre corps et vous le mettez sur l'envers. Ce petit fil, on le repasse dedans, on en aura besoin tout à l'heure. Voilà, vous faites pareil avec le deuxième. Et juste la jambe à retourner et il se retrouve sur l'envers. Ensuite, on les positionne comme ça. Donc moi, je vais commencer de la droite vers la gauche. Donc vous prenez votre fil écru. C'est le même principe que pour joindre des granny squares lors du plot de feuillette, par exemple. Donc vous venez dans la deuxième maille en l'air du coin, ici. Vous piquez votre crochet et vous faites la même chose avec l'autre. Dans la maille du centre, donc la deuxième maille en l'air. Ensuite, j'ai perdu mon fil. Vous ramenez votre fil au travers de ces mailles.
Et après, vous allez venir faire une maille coulée en prenant une maille sur le corps de droite et une maille sur le corps de gauche. Donc là, on est sur la dernière maille coulée. Vous faites un jeté et vous tirez votre fil au travers des trois boucles. Vous allez dans la maille suivante. Donc vous prenez toute la maille, pas que le premier brin. La maille en vis-à-vis sur l'autre corps. Et vous faites la même chose. Un jeté et vous tirez au travers des trois bouts qui sont sur le crochet. Vous allez dans la suivante, à droite, sur le corps de droite. Donc on prend les deux brins de la maille, on va sur la maille en vis-à-vis, donc c'est la deuxième du groupe de trois brides, un jeté et on passe au travers. Donc il ne faut pas trop serrer, hein. C'est pour ça que j'ai tiré un peu sur ma maille, pour que ce soit le plus lâche possible. Et on continue. Une maille sur le corps de droite, une maille sur le corps de gauche. Et on fait notre maille coulée. Donc sur l'envers, on va avoir le petit dessin où on voit les petits V. Et de l'autre côté, ça donne ça. Donc je vous laisse poursuivre jusqu'au bout. On va se rejoindre ici pour arrêter notre fil. Donc quand vous arrivez au bout, il y a deux solutions. Soit vous tirez votre boucle, vous coupez votre fil et vous reprenez la même chose en partant du haut ici. Ce que l'on peut faire également, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est finalement de contourner l'entrejambe et de poursuivre de ce côté. Donc là, je vais piquer au milieu de mon groupe de trois mailles en l'air. Je vais en face faire la même chose. Je pique ici, je fais un jeté et je passe au travers de mes trois boucles. Je vais ensuite dans la maille suivante en face et je poursuis la même chose. La maille suivante, la maille en face et je fais ma maille coulée. Donc je vous laisse poursuivre, on se rejoint ici tout en haut. En haut, donc on se retrouve avec nos trois mailles en l'air ici. Je fais une maille coulée en prenant les brins de part et d'autre de la première maille en l'air. Je fais pareil avec la seconde maille. Une maille en l'air, je tire ma maille. Et donc là, comme tout à l'heure, je vais garder une certaine longueur de fil. Nous en aurons besoin un peu plus tard. Donc je tire sur la maille. Et maintenant, je peux tout remettre à l'endroit. On met le petit corps dans le bon sens. Et voilà, nous avons joint le corps et ça prend forme. Ici c'est les bras, ici c'est les jambes. Nous allons maintenant venir joindre, en tout cas fermer toute cette partie. Donc le fil que l'on vient d'arrêter, on le garde de côté. Il nous servira pour coudre la tête. Donc ça, ce sera dans la deuxième vidéo. Donc on fait exactement la même chose. Donc je vais aller dans ma maille en l'air du centre. La même chose en vis-à-vis. Récupère mon fil, un jeté et je passe au travers des deux boucles. Je vais ensuite dans la maille suivante.
et la maille suivante à gauche. Un jeté, je passe au travers des trois boucles. Donc surtout, c'est la même chose, hein, ne serrez pas trop votre travail. Ensuite, on va dans la maille suivante. Donc on prend les deux brins à droite, la maille suivante à gauche. On prend les deux brins, un jeté et on passe au travers de toutes ces boucles. On prend la maille suivante à droite, la maille suivante à gauche, un jeté, on passe au travers de toutes les boucles. Voilà ce qu'on obtient. Donc c'est vraiment joli. Donc je vous laisse poursuivre de cette manière-là tout autour. On se rejoint ici. Donc au bout, tout simplement, on fait une maille coulée dans la première maille en l'air, le jeté et on passe et on va sur la deuxième maille en l'air, à droite, à gauche, le jeté, on passe au travers de toutes les boucles, on tire la maille et on coupe notre fil. Alors je vérifie d'abord, celui-là il est de l'autre bout. Voilà, on coupe notre fil, on laisse une certaine longueur aussi, ça nous permettra de coudre le sabot. Et on tire sur la boucle et voilà. On va venir maintenant coudre les sabots aux extrémités. Mais avant ça, ça c'est le fil de tout début, quand on a commencé à faire cette partie-là. Donc vous prenez votre aiguille à laine, vous montez le fil sur l'aiguille. Voilà. Et il faut arrêter ce fil. Donc moi je le passe dans la couture. Voilà, faut vraiment passer dans les mailles. Je le fais ressortir. Voilà. Et ensuite, vous pouvez couper à ras. On va maintenant venir coudre les sabots au niveau des mains et des pieds. En fait, je vais vous montrer pour un sabot, donc par exemple sur une main, et vous reproduirez la même chose sur les trois autres, ce sera pareil. Donc surtout, faites bien attention à vos petits sabots. Donc on avait fait deux tailles. Les plus gros sont pour les pieds, les plus petits pour les mains. Donc je vais vous montrer pour une main. Donc on récupère un des fils qui est au bout. On le monte sur une aiguille. Vous prenez votre premier petit sabot et le but, voilà, mais c'est de venir le fixer, le coudre ici. Donc vous pouvez soit commencer à faire la couture ici et ensuite vous fixer le sabot, mais on peut également le faire tout en même temps. Donc je prends un brin d'un côté, un brin de l'autre toujours, et je viens piquer. Donc il faut bien voir. Vous voyez la largeur ici qui va correspondre à la manche. Il ne faut pas le coudre comme ça, il ne faut pas le coudre comme ça. Il faut vraiment qu'il soit fixé au bon endroit. Et là, je fais mon premier point. Donc, c'est des points... Alors, je ne suis pas très douée en couture. Je pense que c'est des points lancés. Enfin, c'est vraiment... c'est très basique. Donc, après, je repique dans mes mailles de la manche. Et je viens faire un second point sur le sabot. Et je continue. Je vais dans les mailles suivantes. Voilà, n'hésitez pas à serrer. De toute manière, je vais repasser plusieurs fois. Et voilà, je vais faire ça tout du long.
Donc ne pas oublier de bien prendre les deux épaisseurs de la manche. Et on fait ça tout du long. Et voilà. Donc il y a des petites imperfections. Donc déjà là, on voit cette petite boursouflure. Et également, j'ai un espace ici. Donc je vais repasser dans ma couture et je vais essayer d'éliminer ces petits défauts. Voilà, c'est pas, ça peut arriver à tout le monde, à moi la première, et donc je regarde derrière aussi. Donc derrière, c'est plutôt pas mal. Et je repasse une seconde fois dans ce sens, en essayant d'éliminer les petits défauts voilà, qui ne me plaisent pas. Ça, par exemple, je vais essayer de passer au-dessus. Voilà. Et je cache cette petite boursouflure qui n'était juste que la maille en l'air quand on a arrêté notre point sur le sabot. Et ici, je viens me refixer au début du sabot. Et voilà. Donc après, ça se remet en forme. Donc une jolie couture de ce côté, une jolie couture de l'autre côté. Et pour arrêter le fil, je le passe à l'intérieur de la couture. Donc ça force un peu, c'est normal, mais du coup votre fil il bougera plus dans un sens, et ensuite je repasse dans l'autre sens. Vous prenez ensuite votre paire de ciseaux et vous coupez un rat. Et on peut remettre en forme le petit sabot. Et voilà. Donc je vous invite à faire la même chose avec l'autre bras et les pieds. Et voilà, j'ai terminé. J'ai fixé tous mes petits sabots au corps. Voilà, ça commence à prendre forme. C'est vraiment super mignon. Voilà, et donc cette vidéo se termine ici. Donc vous avez la première partie pour le petit doudou licorne. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour crocheter la tête et la petite écharpe. J'espère vraiment que vous allez réussir facilement à suivre ces instructions. Et j'ai hâte de vous présenter la suite. À très bientôt !